Bonjour. Cocopelli est né donc en mai 1999 sous la présidence de Dominique Guillet, le grand frère qui avait déjà créé quelques associations au préalable et surtout une SARL, donc Terre de Semences, en 1995 jusqu'en 1999 où on a créé donc l'association Cocopelli. On a dû l'arrêter par pression administrative très très forte puisqu'ils nous ont jugés dans l'illégalité par rapport au fait qu'on commercialisait la semence. Et donc en mai 99, Cocopelli a repris le flambeau de Terre de Semences. Et voilà, 13 ans après, on est encore là, vivant, et on essaye de faire pour le mieux. On commercialise des semences issues de l'agriculture biologique et reproductive. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est qu'une semence biologique et reproductive telle que l'on fait donc à Cocopelli, ben c'est pas compliqué, vous avez tout compris dans les deux mots, à la fois biologique dans sa nature et dans la façon dont c'est cultivé auprès des producteurs professionnels qui nous fournissent des semences avec qui on passe des contrats et auprès de qui on peut après commercialiser en mettant les graines en sachet. Donc reproductible, ben ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce ne sont pas ni des hybrides fins, nous des semences que j'appelle moi des clones chimériques brevetés, donc des semences que le grand public appelle transgéniques et qui sont elles non reproductibles, stériles et dégénérées. Et tous les gens à l'heure actuelle, toutes les personnes, tous les ans retournent au tiroir caisse pour racheter leurs semences. Ce qui n'est pas le cas de Cocopelli, donc on ne fait pas de semences hybrides et fins, ni de semences transgéniques. Et ça c'est très important, on y tient, c'est essentiel pour permettre aux gens d'être dans l'autonomie semencière. Autonomie semencière, donc en France on peut encore commercialiser des semences jusqu'à au jour d'aujourd'hui, mais dans l'hémisphère sud on ne trouve pas. Or, si le paysan, si le maraîcher dans tout l'hémisphère sud, il peut avoir une accessibilité à une semence reproductible, autonomie semencière égale sécurité alimentaire. Et ça, c'est essentiel pour tous les gens qui habitent dans l'hémisphère sud. Voilà un peu la vocation de Cocopelli, c'est de pouvoir donner de la semence dans tout l'hémisphère sud, même en Europe de l'Est et même auprès d'associations en France qui en font la demande. Le catalogue officiel à Cocopelli, vous l'aurez bien compris, on ne veut pas en entendre parler, puisque la plupart du temps, c'est pour sacrifier la biodiversité. En moins de 50 ans, 75% de la biodiversité au niveau flore, au niveau potagère, au niveau céréalière, a disparu de la planète. Donc pour nous, on veut situer la semence dans la liberté totale. Donc pour la libération de la semence et de l'humus, c'est le sous-titre et l'appellation concrète de Cocopelli. Donc on veut les semences dans les champs. On ne veut pas dans les semences dans les congélateurs, on ne veut pas de semences sur des catalogues, ça ne sert à rien. C'est juste pour scléroser, pour stériliser, pour retrouver que des hybrides fins ou des variétés qui sont stériles, dégénérées. Et on veut tout dans le vivant. Alors que les grands coquins veulent tuer le vivant, nous on veut faire vivre le vivant. Voilà. Donc au niveau des semences, au niveau de la biodiversité, naturellement, Cocopelli c'est son cheval de bataille, c'est la chose la plus importante puisqu'on arrive au jour d'aujourd'hui à plus de 2700 variétés qui sont commercialisées en gamme boutique, donc soit sur les salons comme ici à Tours, donc au salon Fougères, ou soit par internet, par courrier, par tous les moyens adéquats. Donc c'est 950 variétés de tomates, c'est plus de 2000 variétés en gamme collection et en gamme cachée. Donc aujourd'hui, je crois qu'on doit rapprocher presque 5000 variétés différentes de semences qui sont disponibles aux adhérents d'une manière entièrement gratuite pour les adhérents actifs et bienfaiteurs sur une gamme collection qui est offerte gratuitement aux gens qui en font la demande. Après, les adhérents soutien donc, ont une réduction au niveau de l'achat des semences et ce qui a permis une accessibilité globale au niveau de cette biodiversité. Tomates, courges, maïs, même la famille des poacées, les blés, les seigles et les orges. On a une collection très importante d'anciennes variétés de blé. Pour revenir à une chose très importante et qui nous tient à cœur, c'est au niveau aussi du côté goût, du côté lien social entre les gens. Vous savez, à Paris, par exemple, ça me vient dans la tête, il y a plus de 153 associations qui font des choses extraordinaires, ce que j'appelle des jardins partagés, des jardins solidaires, des gens qui sont dans la rue mais qui ne sont plus dans la rue, qui sont sur le toit d'un gymnase en train de faire un jardin. C'est des jardins dans le bitume, c'est des jardins dans le béton, c'est quelque chose de magique. Et on arrive à retrouver tous ces gens et qui font quelque chose de merveilleux et d'essentiel en utilisant les semences de Cocopelli et en faisant des semences biologiques et reproductives et surtout en refaisant leurs propres semences eux-mêmes. On n'a plus besoin de personne. Quand on a fait le manuel, quand Dominique, le président fondateur de Cocopelli, a fait le manuel Les semences de Cocopelli, on en est rendu à la 11e édition. C'est un ouvrage de 864 pages avec 1500 photos en couleur. C'est pour apprendre aux gens à refaire leurs propres semences eux-mêmes avec les conditions, l'histoire, la botanique, la nutrition, comment on fait des semis, comment on fait des plants, comment on fait sa propre semence, comment on crée une variété, comme nos grands-pères faisaient depuis 15 000 ans que l'agriculture existe, où cette hybridation naturelle a été faite, de telle amélioration au niveau des variétés de terroirs, au niveau des variétés de population,
dans un village, dans une famille. Et tout ça, ça a disparu depuis 50 ans, que les grands coquins sont arrivés, 9 transmultinationales qui contrôlent 90% du marché de la semence mondiale. À commencer par le numéro 1 qui s'appelle Monsanto, que tout le monde connaît, et tous les autres que je ne vous nommerai pas parce qu'on va avoir de nouveau un procès sur la tête. On en a suffisamment comme ça, on en parlera un peu plus loin. Cocopelli, c'est un joueur de flûte bossu. Sa bosse n'est pas une vraie bosse, c'est un sachet de semences. Il insuffle la vie aux semences de Cocopelli, qui sont des semences de vie, donc des semences reproductibles. Donc c'est un semeur de vie. C'est une tradition amérindienne, c'est lié au Hopi, au Navarro. On retrouve ça depuis la pointe nord de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, dans les trois Amériques, sur les poteries, dans des grottes. Voilà, Cocopelli, c'est la vie, c'est le champ du maïs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Cocopelli? La meilleure chose qu'on puisse faire dans un premier temps, c'est d'adhérer à l'association, c'est de venir sur les salons ou d'acheter par internet des graines. On vend beaucoup de livres aussi liés au jardinage en bio, liés à la cuisine en bio, les coups de cœur qu'on connaît bien aujourd'hui, les gens qui se battent sur différents secteurs, que ce soit le nucléaire, les OGM et tout, tous les amis qui font un merveilleux travail. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire. On peut aider Cocopelli à travers son réseau, en faisant du lien, en faisant de l'information, en reprenant les communiqués que l'on fait et toutes les adresses mail que l'on a et qui fait que ça court de partout. Mais c'est vrai que l'adhésion nous aide beaucoup, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan moral. À la fin 2011, on était à presque 7000 adhérents. Donc pour nous, c'est beaucoup. Et grâce à vous, on peut rester vivant, grâce aux médias qui font des informations, comme vous allez faire en ce moment, grâce à tout ce réseau qui permet qu'on puisse exister et continuer à vivre. Et venez nous voir sur les salons, ça nous encourage très très fort. Et merci beaucoup. C'est plus grave que ce qu'on vous dit, mais on peut s'en sortir. C'est plus grave que ce qu'on vous dit, mais on va s'en sortir.